Oh, Plouf TV, excellent. Salut, salut, bienvenue. On était sur House Flipper 2 juste avant, et là on se met sur Hogwarts. Ça va, Lolo? Donc ouais, comme t'as dit, tu peux pas être en vocal sur le Discord. Ouais. Tu peux pas être en vocal sur le Discord, mais au moins je me suis mis dessus au cas où si quelqu'un veut rejoindre. Ça sera mignon. Je pourrais entendre la voix de tout le monde. Ah ouais, leur jeu, on n'en veut pas, on est d'accord. Bon, faut que j'aille voir d'abord pour mon Grabcorn, et ensuite je continuerai le personnage de mon fils, qui est déjà niveau 13. Bien, il a bien bossé. Alors, au possible, Lolo, à part si tu vois que je peux pas répondre à une question, ou à un problème où t'es, en priorité tu mets s'il te plaît sur le chat, parce que au moins comme ça je peux le voir facilement, et sinon tu mets sur le entraide. Comme ça il y aura peut-être quelqu'un qui sera dispo, bah Nouria d'ailleurs elle pouvait être là mais pas en vocal, elle pourra peut-être être là pour justement te renseigner aussi. Parce que je vais pas pouvoir répondre à tout quoi, je suis pas calé autant que beaucoup de personnes. Tu mets sur Discord, ouais mais mets là-dessus aussi en priorité. Hein. Parce que là je suis sur le truc entraide mais avoir l'œil sur le chat là et sur le chat là, ça va être tendu, ça va être compliqué pour moi. Là on l'avait déjà ramassé. Faudra que je remette le HUD et tout, sinon je vais me tirer une balle dans le pied. Mets la photo. Laquelle photo? De quelle photo parles-tu? Ah, la photo, oui, sur le... Oui, si, là où t'es bloqué. Ouais, t'inquiète, ouais. Pas de problème. C'est vrai qu'on avait sauvegardé juste après avoir ramassé le dernier Grabcorn. Donc on se retrouve un peu bloqué, là. Faut que j'attende qu'il respawn. Chier. Est-ce que t'as des questions, d'ailleurs, Lolo, profites-en, par rapport à la salle sur demande? C'est le moment là. J'y suis, donc là je peux te renseigner sur pas mal de trucs, genre faire pousser la mauve douce, des trucs comme ça, tu vois. Là, tu vois ce que je ramasse, les plantes là, les six cimbres, ça te permet de faire les potions Félix Félicis, qui sont très pratiques. Enfin, j'avais pas fini totalement la déco ici. Je sais pas si j'avais lancé des accouplements. Ah, mon concert de grenouilles. Ah, mais non, ça fait quelques jours que j'y ai pas joué au jeu. Hein. Quelle honte. On avait fait quoi, là? Ici, on a... Donc, les sombrales shiny, le couple. On a le bébé shiny. L'hippogriffe shiny. Oh, on avait déjà pas mal de trucs, là. Hein. Tiens, on va faire le brossage hebdomadaire. Alors voilà, ça rame, je sais pas pourquoi, mais... C'est le temps que ça charge, quoi. Merci. Bon, alors, laisse-moi récupérer ma ressource, s'il te plaît. Ils se mettent devant. C'est bien de pouvoir en faire plusieurs à la fois. Et tu vois, j'ai pas besoin de les nourrir, en fait. Juste la brosse, ça suffit. Puisqu'ils se nourrissent automatiquement avec le support. On va aller voir là où on a les Grabcorn. Non, d'abord le village, tiens. Le village, il est là. Je sais pas du tout où en est mon fils. Un de mes fils. Et si ça se trouve, au tout début. Enfin, je sais pas trop. On va bien voir. Donc les accouplements ici, je crois qu'on était plein. Hein. Ouais, c'est ça, on est plein ici. Pour souffle juvénile shiny, tu vois. Bah, je viens d'en avoir un shiny en accouplement. Grâce au fait qu'on ait la femelle shiny, mais pas le mâle. Et ça marche quand même. Ça va, Loup Galactique, tu vas bien? Ah, oh, ça faisait un bail, Loup Galactique. Wishing Star est revenu. Tu l'avais vu, Wishing Star, hein? Bah oui, avec ton autre pseudo, je crois. Mon village. T'as envoyé un message sur Discord. Ouais, alors c'est quoi? C'est une vidéo. J'ai un problème, je sais pas comment faire. Attends, t'es où, là? Je regarde en direct. Hein. Ouais, bah oui. Alors, attends. Ah, les verrous. T'es en manette, hein, Lolo, hein, c'est ça? Rappelle-moi, t'es en manette. Pour les Alomora, c'est ça, c'est le verrou, t'es bloqué dessus. Si t'es en manette,
Donc, est-ce que tu arrives à bien voir la manette là? J'essaie de la mettre comme ça, genre. Bien devant ma tronche. Et donc, le principe, c'est que tu as dans des serrures comme ça, peu importe le niveau d'Alomora, tu as deux verrous. Un premier et un deuxième. Chaque verrou correspond à un joystick. Donc, par exemple, tu auras le premier verrou qu'il va falloir tourner et dès que tu sens une accroche, un petit mouvement, tu restes dessus, genre bah, bloqué comme ça, par exemple. Et, bon, alors, désolé pour ce qui se passe à l'écran. Et avec l'autre, tu cherches l'autre verrou, et dès qu'il y a un mouvement, pareil, tu te bloques. Et là, tu restes en position, les deux tournent, et là, ça actionne la porte. C'est juste que parfois, c'est assez sensible et c'est compliqué. Mais tu peux, ouais. Enfin, c'est comme ça qu'on fait, quoi. J'avais mis du temps, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas joué au jeu à l'époque, j'avais mis du temps à me remettre dans le comment on fait pour ouvrir ces trucs-là. Là. Est-ce qu'il a respawn, là? Je sais pas trop, hein. On va se TP au village et on va vendre les grabcorns qu'on a en trop. Parce qu'il me semble que j'en ai en trop. J'ai quoi? J'ai quoi? Ouais, j'ai un grabcorn en trop, deux grabcorns en trop. J'ai plein de juvéniles, mais j'avais dit que je voulais les garder. Est-ce que j'ai des shiny là-dedans? Ça, c'est un couple que j'aime bien garder, donc je vais le garder. Shiny, shiny, shiny. Non, non, non. Par contre, c'est un nommé, ça. Ça, c'est un animal nommé, donc ça peut provoquer des shiny aussi en accouplement. Ça a marché du coup, Lolo? Non, il n'y a pas de shiny. Non, non. Ah, si. On a deux nifleurs shiny, mais est-ce que j'ai un endroit pour les mettre? J'ai une femelle et un mâle. Est-ce que j'ai un endroit? Bah, là, c'est pareil, encore des nifleurs shiny. Le problème, c'est que j'ai pas assez de vivarium où il y a de la place, quoi. C'est dommage qu'en déco, on puisse pas mettre d'ailleurs des chaudrons de pièces d'or ou des trucs comme ça. Parce que pour les nifleurs, ça serait cool. Ici, je crois qu'on n'a plus de place. On a deux espaces. Deux espèces, pardon. Caligo, El Céleste, on garde. Ça, c'est nommé. Ça, c'est shiny. Hippogriffe shiny que j'avais eu. Alors, celui-là, à la rigueur, je vais le mettre de côté. Calme-toi. On se fait de la place. Je Hein. ne te veux Et ça, aucun c'est mon mal. chien, donc je le laisse. Donc, il nous faut les nifleurs shiny. Nifleurs shiny. C'est vrai que ça serait stylé. Merde, c'est quoi que j'ai raté? J'ai oublié ce que j'ai dit au King Stars. Ah oui, les chaudrons d'or, oui. Putain, le mec est fatigué, quoi. Attends. Ils sont où mes shiny? C'est ceux-là? Ouais, c'est ça. Donc, mâle, femelle, il me faut. Là, on a deux mâles. Femelle, femelle. Hop. Et mâle. Et on peut faire un bébé si on veut. On va en lancer un. De toute façon, faut gagner du temps pour que l'autre respawn. Les chaudrons d'or pour les nifleurs, mais bah, grave. Ah ouais, non, ce serait trop bien. Alors, attends, j'ai mâle et femelle, c'est quoi le problème? Mâle, femelle. Ah, c'est un juvénile, merde! Bah, effectivement, il va pas pouvoir faire un bébé avec un bébé. Enfin, ouais, c'est dégoûtant. On a la femelle et le mâle, il est là. Voilà. Ça, c'est bon. C'est dégoûtant, ça. Race. Allez go, 29 minutes. On va aller vendre les grabcorns. Ouais, ça serait un problème, ouais. Éthiquement et même moralement, je pourrais pas. Ils font ce qu'ils veulent dans les hautes sphères, là, mais moi, ça m'intéresse pas. J'avais utilisé autant de potions? Bon, on va se TP. Préolard. Je crois que j'avais vendu déjà tous mes équipements. Je vais aller voir quand même chez Penny. J'ai du mal à m'y retrouver avec tous les pseudos, parce qu'il y a eu pas mal d'arrivées quand même sur le Discord depuis 2-3 jours. T'avais bien rajouté hein, le Discord Wishing Stars. Parce que je m'y retrouve plus du coup entre ton nom, notre pseudo et celui-là. Et désolé, ouais, le cerveau il bouillonne là ces derniers temps. Mais il me semble, hein. En fait, je suis tellement habitué à discuter avec vous sur TikTok en MP que je fais plus attention, je fais plus la différence avec Discord par moment. Eh, j'ai oublié de faire mon truc. Merde. Penny! Penny! Penny, Penny. Elle est où? Elle est cachée. La pauvre, elle est tellement petite, on la voit pas derrière le comptoir. J'étais pas au courant qu'il y avait un Discord. Si, si. Alors, apparemment, mon lien est foireux, que j'ai mis dans mon profil TikTok. Mais au pire, tu m'envoies par MP ton Discord. Et comme ça, je t'invite dessus. Et tu verras, il est trop bien. Marie, du coup, pas Marie-Diès, Mamie Molette, a fait un super boulot sur l'esthétique. Et sur la structure. Et c'est vraiment bien foutu. Bon, tout ça, je le vends pas. Penny vous souhaite.
Et là, ouais, tu seras bien sur le Discord, rien que pour l'entraide, pour discuter, etc. Lozena aussi, que j'arrive plus à la voir, Lozena. Elle doit être occupée en ce moment. Tu l'as en contact, Lozena ou Shingstar ou pas? Parce que sinon, moi, je lui envoie un MP à nouveau, mais j'ai pas une nouvelle. Ça se trouve, elle me boude. Ou elle est encore en train d'essayer d'avoir son mal shiny en Grabcorn. La pauvre. Ouais, tu m'envoies juste 100 MP sur TikTok et t'inquiète. Je ferai la joue rapidement. Faut que je redemande à Lozena, ça. J'ai pas eu le temps. Run, Roya. Ah, pour une fois, y'a rien qui s'est cassé la gueule. Donc. Ça, on vend. Pareil. Sombral, on la vend. On a beaucoup de juvéniles quand même, on va les vendre. De toute façon, on pourra en faire plein d'autres. Ça fait des sous. On va arriver à 100 000 assez rapidement. Elle fait yesh avec son odeur de crapaud à chaque fois, ouais. Ou alors, moi, à chaque fois que je rentre dans ce commerce, je me prends tout dans la gueule. Il y a des sauts qui tombent, enfin, c'est le bordel. Je sais pas pourquoi, c'est un bug sur mon affichage, je sais pas. Elle fait yesh. Attends, ça fait des années que j'ai pas utilisé cette expression. Elle fait yesh. Elle fait yesh. Ah là là, y'a que nous pour dire des trucs comme ça. Sombral juvénile, bah tu... Bah je te vends. Bon, y'a les morts derrière. Ça, flaireur, on garde. C'est des chats. Les chats, c'est bien pour mon village de gobelins. Ça, on s'en fout. Non. Non. Et ceux-là, j'ai dit que je les gardais. Bon, il a respawn, je pense. Oh, Chipmunk, j'ai rien reçu poulet sur Discord. Ah ouais? Attends, je te fais ça en direct. En direct live. On the beach. Donc, Chipmunk est sur Discord, c'est Chipmunk. Pourtant, j'avais fait copier et coller, j'avais envoyé. T'es sûr et certain de l'orthographe? Parce que sinon, c'est sûr, ça fonctionnera pas. Ok, donc, je t'envoie ça. T'as même pas reçu l'invite d'amis, donc c'est quand même bizarre. Je te l'envoie. Hein. Bah, profitant du coup, Wishing Star, hein, vu que je suis dessus en même temps, comme ça je peux faire l'invite aussi. Voilà, là je viens de te le renvoyer, T-Punk. Ils sont beaux en plus, les chats du jeu. Grave. Ils sont super beaux. Un T majuscule. Ouais, bah normalement c'est ce que j'ai mis, ouais. Attends, bah, j'ai fait copier-coller de ce que tu m'as écrit sur TikTok. Hein. Ah ouais, j'ai mis la majuscule. Bah j'ai fait le copier-coller, quoi. Bizarre. Photo de profil. Alors, je peux pas voir la photo de profil. C'est quand t'ajoutes un ami sur. Oula, pourquoi il ramène. Quand t'ajoutes un ami sur TikTok, sur Discord, tu vois pas de photo, tu vois rien. Tu mets le texte, tu envoies et t'espères que ça soit la bonne personne en fait. Si ça se trouve, un jour, je vais avoir un politicien qui va me répondre en disant « Mais pourquoi vous m'invitez ?» Et puis voilà, tu vois. Il arrivera ce qui arrivera. Ouais, c'est pas aussi pratique que d'autres trucs pour ajouter des amis, j'avoue. J'ai eu un problème comme ça. Ouais, non, c'est pour ça. C'est si la personne se gourre sur l'orthographe ou s'il manque un point ou une majuscule ou un caractère et ouf, bah c'est n'importe qui peut recevoir le truc. Quoi. Et ça craint. Tu l'as eu? Ah bah ouais, bah, comme quoi, c'est bizarre. Hein. Bah, dès que tu l'as eu, voilà, nickel. Je te fais un coucou et je t'invite sur le Discord. Vas-y, je te fais ça tout de suite. Et Wishing Stars, fais-toi plaisir. Hop, je t'invite dessus. Chipmunk. C'est envoyé. T'as accès au Discord. Tu peux même te mettre en chat vocal si t'en as la possibilité, je suis sur le chat vocal d'entraide. Et après, là, je fais ça avec mon perso et ensuite je me mets sur Serpentard, le perso de mon fils. Il faudra bien que je remette le HUD avant parce que je connais pas sa roue de sort. Histoire de pas faire des conneries. Il a respawn. C'est un shiny! Shiny. Oh putain, ça y est, j'ai ma femelle shiny. Eh, on est en live les loulous et j'ai ma femelle shiny. Garde ton énergie pour... Putain, mais ça fait des semaines que je la cherche. Ralentis un peu. Oh là là, et on parlait de Lozena juste avant en plus. Femelle shiny, mâle shiny, allez c'est bon. Voilà, j'ai trouvé tous les shiny que je voulais. Et là, tu sais, j'ai un crash du jeu, ça sauvegarde pas. Ralentis un peu. Femelle shiny, oh je suis trop content, putain. Trop bien. Oh j'ai déjà envie de lui faire des câlins quoi. Je peux même pas lui faire des câlins.
Et qu'on rajoute pas du tout. Bon, ben, on se tépait direct à la maison. Et j'ai voulu, je devais continuer le perso de mon fils. Mais avant, je me suis dit, bah, allez, je vais trouver une Grabcorn shiny. Et ben, je l'ai eu. Alors, ne dites pas, c'est une chance de cocu, sinon je vais commencer à téléphoner à madame. Mais voilà. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Mais grave, j'ai trop bien fait, en fait, c'est l'instinct. C'est l'instinct maternel, ça. Ou l'instinct de je sais pas quoi, mais c'est un instinct, quoi. Pourquoi ça fait pas ça? Qu'est-ce qu'il me fait, là? Ah oui, non, mais putain, je suis grave, c'est de ma faute. Oh là là, je vais pouvoir faire un vrai bébé shiny pure souche. C'est le mec qui a un problème avec ça, t'sais. Je veux une lignée parfaite. Je veux pas de sang de bourbe, moi. C'est l'instinct shiny, ça. Exactement. Est-ce que j'ai de la place, au moins, pour le mettre en live? Mais c'est ça qui est trop bien, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des shiny, c'était en live, hein, Marie Dierce. Salut, Marie Dierce. Je savais pas que t'étais là. Ah là, c'est trop cool. Eh, franchement, je suis trop bien. Bon, on fait de la place ou pas? Non, y a pas besoin. Par contre, on doit faire quelque chose d'important. Parce que Lozena, bah, j'ai donné ce nom-là à un mâle shiny. Et c'est un peu une fille, Lozena, quand même. Donc, faudrait peut-être quand même mettre une... voilà, ce qui correspond mieux à elle. Donc, Lozena devient là. Et du coup, l'ancien Lozena devient... comment on appelle l'ancien mâle shiny qui s'appelait Lozena? Faut lui trouver un nom. On l'appelle... on l'appelle... on l'appelle pas, non. On va l'appeler... tiens, vu que vous étiez tous les deux là, Lolo Stars. Lolo Stars. Lolo Stars. Marie. Merde, j'ai pas de place. Ça se trouve, je peux pas. Lolo Stars, Marie. Et que je me gourre pas sur l'orthographe. Il y a Chipmunk aussi. Ah, je peux pas, il y a une limite de caractère. Bah, Lolo Stars. Vous êtes d'accord quand même? Lolo était là dès le début. Wishing Star est arrivé en deuxième. Pour moi, c'est réglo. Léon, le caméléon. Ah, mais me sors pas des anecdotes de Monster Company. Ouais, voilà, on valide quand même. Lolo Stars. Voilà, Lolo Stars. Et du coup, elle est trop belle en femelle. Et maintenant, Lozena, c'est la nouvelle Grabcorn femelle. Putain, mais à chaque fois en live, quoi. C'est un truc de dingue, quand même. Loup Galactique, t'es? C'est quoi, t'es? Voilà, Lozena est vraiment une fille. Et peu personne peut dire le contraire. On fait un bébé, du coup, pour fêter ça. Truc vachement dégueu. Putain, j'ai tellement de bébés shiny, c'est n'importe quoi. Ils se bousculent, les pauvres. Bon, on va faire un bébé. Pour fêter ça, encore une fois. Pour faire les bébés, c'est de l'autre côté. Ou c'est là? Non, c'est de l'autre côté. Ouais. C'est le bordel, j'ai trop de Grabcorn. Erreur de frappe. Allez, on fait un bébé pure souche. Si ça se trouve, il va sortir, il sera même pas shiny, tu sais. La progéniture qui est finie à l'urine de 1664. Donc là, faut changer la race. Il nous faut. Là, c'est Clayton. Clayton. Lolo Stars. Bah, Lolo Stars, du coup, la nouvelle femelle, avec Lozena. Bon, je suis navré, hein, Lolo Stars. Les filles, vous couchez avec Lozena. Ça arrive à tout le monde, et il faut en être fier, moi je dis. Bon, Chimpunk. C'est un peu comme du cyberpunk, mais c'est pas presque pareil. Le bébé sans pur. Hein. Ouais, vous allez avoir un vrai sans pur. Tellement sans pur qu'il pourra faire du Quidditch et tout. Enfin, laisse tomber. Le bébé de fou. Là, il y a vraiment que des Grabcorn ici, en fait. Hein. C'est un bordel. Sullivan. Sullivan. Faudra qu'on les renomme tous à l'occasion. Eline, grâce à qui j'ai eu la technique de ramasser les Grabcorn en fonçant dedans. Bon, on sauvegarde. Et on va chez Serpentard. Je suis trop content. Oui, j'ai fait un jeu de mots avec le chip et les chipmunk. Mais j'avais bien compris, t'inquiète. Eh, s'il te plaît. Je suis à moitié Serpentard, mon fils est Serpentard, donc t'inquiète, je comprends les rêves comme ça. Les rêves de tordu, là. La Gazette de Marie se présente sur le live pour écrire un petit article sur Monsieur Pixarounet. Vraiment? Tu vas écrire quoi sur moi? Un truc gentil, j'espère. Hein. Après, si c'est méchant, bah, je me remettrai en question, mais un truc gentil, c'est mieux, quoi.
C'est plus facile de se remettre en question quand on nous fait des compliments, mais... T'es niveau 14? Bah, mon fils est niveau 13, je crois. Tu verras. Ah! Oh putain, merde. Bah, tu pourras mettre dans l'article, si tu veux, que vous me portez chance, et grâce à ça, j'ai eu ma Grabcorn femelle shiny. Et ceux qui vont lire ton article ne vont rien piger. C'est quoi ça, un Grabcorn shiny? Bon. Serpentard. Serpentard, quoi. Et j'ai pas créé mon perso pour Serpentard, c'est mon fils. J'ai respecté mon engagement en Chipmunk. J'ai dit que je serais pas Serpentard, parce qu'un vrai Serpentard, ça se mérite. Et ça doit être un... Je suis pas assez tordu pour être Serpentard. Bah tu vois, les niveaux 13. C'est bon. Merci à ma femme de m'avoir amené du coca. Ah, il y a plus les trucs qu'on décolle dessus, là. Bon, du coca, c'est pas du vrai coca, on est d'accord. Mais les trucs où on décollait et on gagnait des choses... souvent des choses inutiles, mais des choses parfois intéressantes. Ouais, Lolo, je sais que t'es Serpentard, je t'ai grillé direct quand tu montrais tes screens et tes vidéos. Alors, comment il s'est habillé, mon fils? Parce que je l'ai pas surveillé. Déjà, il est habillé, ça me rassure. Il aurait pu tenir de son père. On va lui remettre le HUD, quand même, parce que le pauvre, c'est peut-être pour ça qu'il joue plus. HUD, ça, c'est un truc à savoir, hein, pour ceux qui savent pas. C'est tout ça, là. Et si je lui mets pas, il va être perdu. Moi, j'en mets que un ou deux en général, mais lui, on lui met tout. Voilà. Je vois les gens de Discord comme une secte un peu de base. Ben, on est une secte. Merde, putain, fallait pas que je le dise à haute voix, ça. On est une secte, mais on défonce tout sur Hogwarts Legacy. Donc, du coup, pour le coup, on fait pas tant de mal que ça. Donc ça va. Invoquer des décorations murales. Ah, il a déjà sa salle sur demande. C'est ça, hein. La secte Pixar. Mais c'est moi qui vais finir en prison si vous l'appelez comme ça, la secte. Non, non, assumez aussi vos torts. Hein. Non, non. Salle de... Donc la salle de cartes. Mais pourquoi il veut que j'aille dans la salle de cartes? Non, je veux invoquer des machins. Elle est où, la salle sur demande de Serpentard? Elle est en dessous de la rivière, normalement. Salle de divination. La salle sur demande, elle doit être pareille pour tout le monde, j'imagine. C'est là? Ouais. La secte des moldus révolutionnaires. Anarchiste. Ah ouais, ça fait dur. C'est dur quand même d'arriver là et de voir qu'il y a que ça. Putain. Pourquoi il y a une prof qui est là? Je m'en rappelle pas de ça. Donc quand t'es Serpentard, c'est... Ah, vous êtes ensemble! C'est quoi? C'est tes grandes oreilles qui lui ont plu ou c'est comment? Et toi, tu pouvais pas le dire? Vous avez préparé beaucoup de potions. A eu succès, plus de billets. Mais ça, tu m'as donné envie, Chipmunk, quand tu m'as parlé de ça. Est-ce que vous savez, vous avez galéré, vous, tous, sur quoi? Eh, ils sont ensemble, là, Weasley et l'elfe, là. Il y a plein de trucs sur lesquels j'ai galéré, moi, je te le dis tout de suite. Je pense que si je suis gentil, je ferai toutes les épreuves de Merlin de mon fils. Il sera trop content. Et toutes les sources d'énergie. Comme ça, il va défoncer le jeu. Pixar explique que je suis en train de faire des Alomora, ce que tu m'as montré tout à l'heure en image sur le Discord, c'est ça? Pixar, tu veux savoir un truc? Oula, tu me fais peur. Marie, tu me fais peur. C'est les Alomora. Ah non, les Alomora, moi, je tremble. J'ai avec mon problème de santé, je tremble. Donc faire les Alomora, j'en chie. Vraiment sympa, la forêt interdite, ils ont bien fait les détails. Non mais arrête, c'est putain, ça doit être super loin de chez moi en plus. Tu remues le couteau dans la plaie, là. Ouais, Papa Ours t'a répondu aussi, Lolo, du coup, j'ai vu. Je réponds en même temps. En plus, chez nous, de base, on a un parc connu, c'est le Jardin des Plantes. Ils l'ont bien utilisé. Mais le Jardin des Plantes, c'est à Paris, ça, non? 17h, j'allume. 17h05, platine. Il te manquait qu'un seul succès, c'est pas possible en 5 minutes, sinon. Bon, oui, il faut que j'invoque des trucs, moi. C'est ça? Non, c'est ça. Faut que j'invoque des décorations murales. On va lui mettre les 5, hein, il mettra ce qu'il veut après. Hop, 1. 2. Il y a deux profs sur deuxième étagère. Comment ça?
Hâte. Et 5. Voilà. Et décoration de sol. On se disait aussi. De quoi? J'ai raté un truc là. Oui, il me manquait un truc. Ouais, c'est ça, ouais. A été utilisé dans plein de villes. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, ce que je comprends mieux parce que jardin des plantes, sinon ça me perturbait. Décoration de sol, donc des tapis, quoi, en fait. Ils peuvent le dire directement comme ça. Je vais faire un truc genre. Festival de Cannes, je sais pas. Hop. 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 40 minutes de Toulouse. Ouais, c'est trop loin pour moi, je pourrais pas. Si nous passions à la suite. On finit le truc, hein. Voilà, ça c'est fait. Parle au professeur Weasley. Eh, vous êtes en couple en fait, hein? Dis-le. Dis-le, je t'ai dit. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur. C'est quoi que Marie, du coup, tu voulais m'écrire un truc? Ouais, Kiki. Le sortilège d'altération vous permet. J'avance le profil du fiston. Vous pouvez changer la couleur. T'avais commencé à écrire un truc, Marie, et ça m'a perturbé. J'ai pas vu la suite. Commençons. Le champion. Comment lancer le sortilège d'altération? Regardez bien. Tu m'as envoyé une photo d'un escalier. Ah, je m'en souviens de cette mission. Alors. Un MP sur TikTok ou sur Discord? Il faut savoir maintenant, on a tellement de réseaux. Avec votre baguette magique et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. Tu veux que je vise un truc avec ma baguette magique? C'est rare qu'on me le demande comme ça, mais d'accord. Okay. Revelio. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Sortilège d'altération, c'est celui-là. Voilà. Je vise un truc. Je vais viser ça. Voilà. Modifier la couleur. D'accord. Changer la couleur. On peut peut-être pas pour ça. Comme tu veux, Marie. Je veux changer la couleur de ce truc-là, moi. Changer la taille, faire pivoter l'objet, on peut peut-être pas avec ça. Si, changer couleur. Comme ça. Voilà. Et la taille d'un objet. Beau travail. Je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération... En MP sur Discord ? ...l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol. Ouais, j'ai vu l'escalier, ouais, Lolo. On peut pas mettre des tapis comme ça sur les escaliers, je crois. Mais là, c'est pas la mission où tu dois être camouflé avec les profs, là, qui surveillent la nuit. Sur le général. J'espère que t'es habillé dessus. Hein. C'est pas parce que t'es serpentard que tu peux. Tu l'as, celui-là, Pixar. Lequel de FF7? Parce que là, j'ai du mal à distinguer. J'en ai un, ouais, sur Steam. De FF7. Le remake. Mais le prochain, enfin le dernier qui est sorti là, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai pas. Il est pas sorti sur PC encore. Ah, c'est compliqué, ouais, faut faire gaffe à pas se faire griller. Il est magnifique le FF7 remaster là, le premier là. Et l'autre en open world, il est pas sur PC, c'est dommage, mais il est superbe. Modifier le balcon ou le sol de la pièce, mais je fais ce que je veux. Voilà, tiens, ça sera comme ça. Je me rappelais plus qu'il y avait tout ça à faire au début. Chic, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chic il y a des années. Ouais, l'appelle pas comme ça devant moi, fais pas genre. Venez parler à Chic. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Une ambiance claire et... Alors c'est pour mon gosse, donc naturel, mystérieux. Claire et lune seraient parfaites. Allez, vas-y, clair de lune. La salle donne l'impression d'être éclairée par la lune. Ça semble parfait. On va voir si mon fils aime bien. Non, mais sombre, c'est pour mon fils, c'est pour Edouard. Je vais pas mettre un truc sombre. Bah, en fait, c'est très sombre. Non, on va pas mettre clair de lune, ouais. Ah. On peut mettre la neige de... et Noël ? Oh, comment ça ? Cela dans le jeu ? Change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Ne demande pas notre avis. Demandez à Chic d'annuler cette modification. Ok, mais pas sombre. Vous avez beaucoup
pas pris sur l'altération. Sur TikTok, Poudlard, merci, il avait Noël et de la neige. Ça, bah, je l'ai eu, ça aussi. Quand t'avances dans le jeu, à un moment, il y a de la neige. N'importe combien de temps et tu peux pas la ravoir. Une fois que tu finis le jeu, ben, tu l'as dans l'os. C'est ça le problème. Il y a une phase dans le jeu où t'as de la neige, effectivement, c'est l'hiver, donc milieu de scolarité. Et après, ben, tu l'as plus jamais. Ça, c'est un peu dommage. Que dans Spider-Man, par exemple, une fois que t'as fini le jeu et tout, tu peux choisir la saison, s'il fait jour, nuit, s'il y a de la neige ou pas. Et là, on peut pas. Ah oui, pas sombre. Il va chier dessus, le pauvre Edward. Non, c'est une idée. C'était pas comme ça, ma salle sur demande, avant. Un espace encore plus grand. La salle sur demande varie en fonction des maisons. La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créasors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien. J'ai un doute, là. Vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. Ouais, c'est un peu sombre quand même pour lui, ça. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Changer le style. Ah si, c'est ça pourtant. Ah, il vise pas le bon truc. D'accord. Non, en fait, c'est à lui qu'il faut parler, j'ai oublié. J'aimerais savoir comment changer. C'est pas Versailles ici, ouais, c'est un peu ça là. Bien sûr. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? De quoi ça va mieux ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai raté un truc là. Chaleureuse. Ouais. J'aimerais que la salle soit chaleureuse et confortable, comme si je flottais dans une bière au beurre. C'est parfait. Ah, ça parle de bière, ça va lui plaire à mon fils. Ah, c'est mieux déjà. Bon, c'est plus naturel, enfin c'est plus neutre. Pour la maison Serpentard, les murs et sols sont celles qui s'appellent gothiques. D'accord. Il fait semblant de manger, j'ai vu, hein. De toute façon, il croque même pas dedans. Du coup. Donc en fait, il y avait deux évolutions dans cette partie. Non, mais c'est bien ce que j'avais dit la dernière fois en live. C'est que ça, c'est la première évolution, et ensuite ça s'agrandit ici, là où j'ai mis mon concert de crapaud, là. Ça, je lui laisserai le plaisir de décorer, je vais pas l'embêter avec ça. Il faut l'avancer dans le jeu. Il a le balai, donc ça c'est bien. Il faut juste que j'agence ses sorts autrement, parce que sinon on va être embêté. Ah ouais, effectivement, on va être très embêté, ouais. Chier pour me battre comme ça, moi. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il a pas de points d'XP. C'est quoi son nom? À qui? Pixar, économie, économie, la team. Attends, j'ai raté un truc, là. Il me tue de rire, ce type, sur TikTok. Monsieur, moins 30%. Tu connais Pixar, économie, économie, la team. De quoi? Il n'a pas beaucoup de sorts. Ah non, ouais, le pauvre, il n'a pas grand-chose. Ouais. Ça va être compliqué pour lui, là. On va lui arranger ça, c'est rien. C'est pas grave. Ce qu'il faut que je vois, c'est... Il a deux points. Non. Plutôt là-dedans. Maîtrise d'Axio. Non, ça, on s'en fout. Incendio, j'aime pas. Confringo, on l'a pas encore débloqué. Ouais, on va se débrouiller sans, c'est pas grave. Je vois pas... Hello la team, non mais sérieusement. Qui, tu sors Hello la team, là? On va lui faire son épreuve de Merlin qui est là. Il a le sort Confringo? Bah j'avais même pas fait gaffe. Mais c'est pas grave, y a pas besoin de le faire évoluer pour l'instant. Et je crois qu'il est en mode histoire en plus, donc ça va pas être très compliqué. Hein. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Chipmunk, tu viens de dire que t'allais regarder c'est quoi les vidéos Hello la team. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Ah non. Oh là, il y a trop de coffres, il y a plein de trucs. Ça fait bizarre de se retrouver dans le jeu où il y a autant de choses à ramasser. Il a aucun halo mora, j'imagine. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Qu'est-ce que j'ai pas fait? De quoi?
Ah bah non, mais Hello Latim, non, surtout pas. Non, non, qui regarde pas ça. Ça, c'est un truc entre Kik et moi, parce qu'on déconne avec ça, vu que c'est débile, mais... Ah non, non, tape pas Hello Latim sur Google. Il te faut la ref quand je reviens. Quelle ref? J'ai raté un truc, là, je crois. Ouais, je vais me concentrer sur l'épreuve de mon fils. Il y a un parchemin ici. Revelio. Ça va, futur Hagrid? C'est à l'intérieur. Voilà. Mission de Merlin. On sent le pilote quand même qui est habitué à voler avec un balai. Hein. C'est là. Ah, c'est celle qui avait bugué à l'époque d'ailleurs. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour l'enclencher celle-là? Dans ton sac cette fois, Merlin. J'étais parti et du coup là, tu fais quoi? J'avance pour mon fils. Il a les vieux sauts, etc. ou pas? Il me semble, oui. Attends. On va pas le mettre là. On peut le mettre là éventuellement, parce que ça sert à rien qu'il ait le doublon en fait. Ouais, ça fait trop de doublons. Ok, on va lui mettre ça. On va lui mettre ça. Ça. Et ça, ça peut rester. Les vieux sauts. Il est où déjà le truc? Il est en bas. Ça suit ou pas là? J'ai pas l'impression. Moi. Ah ouais, c'est pas le... Ah oui, c'est Leviosa, c'est pas Wingardium Leviosa. Oh, fait chier. Action. Non! Reviens! Et c'est pas vrai! Eh merde. Action. J'ai un peu dans l'os là. Et Repulso, il l'a pas encore. Faut faire des épreuves de Repulso et c'est hors de question. Je m'inflige ça. Je vais lui laisser le plaisir. Là, je l'ai dans l'os. Je vais pas pouvoir. Je peux même plus le lever maintenant qu'il est là en fait. Oh non. Ah, ça y est. C'est bon. Bug de que dalle, ouais. Y'a pas de bug avec moi. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. On sent bien celui qui trouve des grappes-cornes shiny femelles. Je l'ai eu. Oh, l'autre, il s'étire carrément. Donc ensuite. Ouais, franchement, c'était magnifique. J'avoue. Je sais pas si tu parles de ça, mais oui, ouais. Je suis d'accord, c'était plutôt beau. Est-ce qu'on pourrait lui débloquer des poutres de cheminette qui sont intéressantes? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Source d'énergie, ça pourrait être pas mal et ça pourrait être utile. Il adore faire les pouvoirs spéciaux. De Merlin bidule. Pas de Merlin, de machin. Plus que le monochrome. Quel monochrome? Oh la vache, il a rien débloqué du tout. Oh, c'est chaud. Source d'énergie, il y en a ou pas là? Il y en a pas. Je sais qu'il est pas trop à l'aise sur les combats. Là, il y a un coffre de collection ici. On va aller là. Oui, je pense que tu peux pour l'avancer. Ouais, bah après, il faut que je trouve des sources d'énergie et là, j'en vois pas sur la map. De l'autre côté. Salut les mecs! Ah, c'est vrai que je suis pas très puissant maintenant. Ça va être compliqué là. Protégons, stupéfiance.
Alors ils attaquent pas ? Oh, pas beaucoup. Pas beaucoup d'heures. Dire que j'ai personne avec qui partager ma... Revelio. Pour une fois que je fais Revelio, hein, on va pas se plaindre. Il doit pas être à grand chose, hein. Je vais regarder ça, mais... Il est à 10% du jeu, le pauvre. 37 minutes, pardon. Ah ouais, non. Il n'y a pas eu de sauvegarde manuelle. Ah ouais, il prend des risques, lui, quand même. Pourquoi il y a 4 sauvegardes? Ah si, il y avait quand même une sauvegarde. Mais il est à 5 heures. Le mec devant l'escalier, tu peux pas faire une diversion? C'est comme dans la mission qu'il y avait dans la bibliothèque. Tu fais une diversion à l'opposé en lançant un sort. Comme ça, la personne y va et toi, tu peux t'avancer. Tu balances juste un sort classique et tu la tires ailleurs, en fait. Je pense que c'est ça la solution, Lolo. Il a pas level up, non? C'est juste qu'il a fait la mission avec la salle des cartes et tout, et mine de rien, ça augmente assez vite. Et il est en mode histoire, hein, donc c'est pas compliqué en mode histoire. Tu montes très vite. Ah oui, par contre, elle est en sort camouflage sur le screen, donc c'est bon. Elle l'a. Ça va être quoi, là? Oh, bah je l'ai pas, c'est Philippendo, je l'ai pas. Ça c'est réglé, on se casse. Les méchants, ça j'ai. Les méchants, j'aime bien. Tu vas le regretter. Les burnes. Des récompenses disponibles sur le menu défi. Ouais, c'est ça, à mon avis, c'est diversion avec un autre sort. Bon, ici, je pourrais pas le faire. Il n'y a pas de source d'énergie dans le coin. Si je pouvais lui débloquer l'hippogriffe, il serait tellement content. Le problème, c'est que... Bah voilà, quoi. L'hippogriffe, je sais pas quand c'est. Il faut avancer dans les quêtes principales, en fait. Quête principale, salle de la carte. Faut ramener le bouquin. On va aller à la salle de la carte. Ça me fait chier qu'il rate, en fait. Non. Ça me fait chier qu'il rate l'histoire principale. Je préfère l'avancer sur des trucs qui sont pas indispensables, en fait, pour suivre la narration. Et comme ça, au moins, il se fera plaisir avec l'histoire. Même si tout ça, on l'avait fait ensemble à l'époque, mais il a dû oublier. Faut qu'on avance là-dessus, plutôt. Épreuve de Merlin, feuille de mauve douce. On va aller là. Hein. Et sur ma route, j'en ai une autre, je crois. Ah non, je vais pas le réveiller, t'es grave toi, Kiki. Si réveille-toi, dis-moi où t'en étais. Lara vient de la chambre. Donc c'est quoi que j'ai raté alors? Tu disais que ça va mieux. C'est quoi ça? Ça, c'était les papillons. Lumos. Lumos. De quoi, elle a chopé la crème? Ah bah, elle l'a toujours, hein. Elle m'a pas fait la bise non plus. Ils sont où ces cons de papillons qui volent pas là? Ça nous arrange. Ouais, bah oui, ça évite que tout le monde chope la crève. Ouais. Les chiens, ils sont où? Oh non, j'ai pas le temps, les kleps là, c'est bon. Voilà, salut. Ouh. Où sont les papillons? Un, deux. Revelio.
D'accord, c'est vrai qu'on les voit pas du tout. Hein. Lumos. Oui, merci Wishingstar, j'ai complètement mis rôle, mec. Je les voyais pas. Il a été TP au-dessus du truc, c'est normal. Parchemin. Revelio. J'avais jamais fait gaffe à ça. Un aurore a été tué. Pourquoi il m'a mis ce bruit là? Qu'est-ce que j'ai eu comme découverte? Ah ouais, non, c'est mieux la nuit, ouais, effectivement, pour les papillons, Wishing Stars, comme tu dis. Voilà, un trésor. Nul, mais un trésor. Je crois que ça a déjà été fait la mission ici. C'était Philippendo celle-là? Attends, pourquoi il me le valide pas là? Ah oui d'accord, c'est le point de destination, ok. Je peux même pas me téléporter. Bah si tu peux, Lolo. T'as juste à débloquer les cheminettes en fait. Faut que t'ailles dessus et ça les enclenche et après tu pourras te téléporter dessus, c'est gratuit. Comme je vais faire là, regarde par exemple celle-là, je peux pas me téléporter. Tu vas juste dessus. Ça va Alexina, tu vas bien? Quoi de neuf? Comment va bébé? Voilà, tu vois, là ça débloque la cheminette. Il y avait quoi ici? Bizarre cet endroit là. Excellent. J'ai la même tête que la dernière fois, je pisse les yeux en souriant. C'est une petite fille. On a quoi là? Ouais, je vais lui débloquer quelques poutres de cheminette. Ça c'est quoi? Un tombeau, on s'en fout. Ça sera pas utile pour lui. Ça, ça peut l'être. Tous les déplacements rapides pour lui, ça peut être utile. Si je peux l'aider avec ça. Si on pouvait XP juste avec les combats, je farmerais les combats. Comme ça, il aurait là le niveau, mais... ça marche pas. Donc. Ouais, ça l'aidera pour gagner du temps, ouais, c'est clair. Même si je sais qu'il adore se balader en balai. Allez, il n'y a plus qu'à sortir le Patronus. Là. Plus rapide par là. Ouais, il gagnera du temps. Hein. Mais je te dis, il adore se balader en balai. Alors quand il y aura l'hypogrie, ça sera encore pire. Mais... c'est vraiment très très joli hein, dans ce jeu ici. Ce qui manque, c'est de la rapidité au niveau du balai. Oh, des ennemis. Moi, j'en vois tout. J'en vois la sauce. Stupéfix.
Ouais, c'est le lac du film, ouais. Revelio. C'est quoi celle-là? Celle-là, je suis pas passé à côté, je crois. Oh, c'est pas grave. Ça sera de la mauve douce en moins nécessaire pour lui, donc c'est pas gênant. Et il gagne des espaces d'inventaire. Quoi ce bruit? Juste pour retourner, ok, d'accord. Je sais reconnaître une épreuve. Oh non, putain, pas celle-là. Pardon. Oh, je me rappelle de celle-là. Ouais, c'est ça, c'est le tombeau avec les araignées qui débloque la salle des cartes. C'est ça le fantôme sans tête, ouais. Regarde sur Discord. Pour aller... Et tu peux pas avancer parce qu'on te détecte, c'est ça? Tu peux pas choper un objet et le balancer ailleurs? Non, j'ai pas recommencé le jeu, j'essaie d'avancer mon fils... Flo. Ouais, c'est Fio. J'essaie d'avancer mon fils. Il est sur Serpentard. Moi, il est platiné le jeu, donc c'est bon. Et il est sur Serpentard et bon, il est petit, le loulou, donc j'ai pas envie qu'il se fasse chier. Tu peux peut-être faire diversion. Alors, ça, c'est sûr, je pourrais pas le faire. Attends, si, remarque, c'est vrai que j'ai oublié, j'ai avec Confringo. Ils sont où les autres? Il y en a un là. Faut déjà brûler la toile d'araignée. Voilà. Donc on en a un là, et l'autre il est où? Revelio. Là, et l'autre, il est là. Ok. Confringo. Ok. Ça c'est chiant. Ouais. Et voilà, c'est réglé. Ah, s'il n'y a pas d'objets avec lesquels tu peux faire diversion. Le problème, c'est que je pourrais pas la refaire, celle-là. Il en est pas encore là, mon fils. Attends. Sur la vidéo, j'arrive pas trop à distinguer où sont les profs, en fait. Je vois mal où sont les profs. Je vois même pas ce qu'il y a au fond, en fait, genre une statue ou un truc comme ça. Le timer sur cela, c'est atroce. Ouais, bah celui-là, il est facile encore, mais il y en a, oui, c'est vraiment atroce. Ouais. C'est, parfois, c'est à la seconde près, c'est n'importe quoi. Rebellion. Ça stresse plus qu'autre chose. Ensuite, celui-là, je suis pas sûr de l'avoir fait. Si je peux lui faire, je lui fais. Hein. Quand il veut, il fait demi-tour. Hein. Il me semble que j'ai déjà fait celui-là, c'était avec Flipendo. Ouais, d'accord. On s'en fiche. Euh...
Ça sert à rien de trouver des licornes ou quoi que ce soit maintenant, parce que de toute manière, on pourra pas les stocker. À la rigueur, on pourra aller par là-bas. Est-ce qu'il y a une cheminette à découvrir sur le chemin? Ouais, elles sont toutes faites. Ça, c'est fait. On va aller par là, ouais. Bon, là, à la gauche, t'es sûr qu'ils ont pas un pattern au niveau de leur déplacement? C'est genre, un coup, ils regardent à droite, ça dure 8 secondes, et ben pendant ces 8 secondes, faut avoir le temps de se déplacer, justement. Ça se trouve, c'est un truc bête comme ça. Hein. Parfois, il suffit que de ça. Ils tournent le dos, ou enfin, il doit y avoir un truc dans leur mouvement qui le permette de progresser. J'aime tellement pas la quête de Gryffondor, je mets tellement moins de temps pour elle que les autres. Ah, tellement ça te saoule! C'est moi qui fais ça! Revelio! Bellio! Père épice. J'ai glissé, chef. C'est ça. De toute façon, personne n'est témoin, donc personne n'a vu que c'est moi qui avais fait ça. Oh, j'ai failli shooter la libellule, quoi. Y'a quoi ici? Oh, des cadeaux. D'accord, je fous le feu, c'est normal. Je ramasse plein de trucs, ça sera toujours ça de moins à lui pour se faire chier. Rebellion. Ah oui, pourquoi je peux... Ah oui, super. Oh, il insiste avec ses ricochets, là. Faire des ricochets. Loin. Ah bah dans ce jeu-là, oui, t'aimes bien foutre le feu, ouais. Moi, dès que je peux foutre le feu à un truc ou péter un truc, je le fais. Oh, la musique. Merde. Confringo. Merde. Action. Voilà. Protego. Ouais, bah ça ils s'en foutent apparemment. Ils les gardent pour leur faire des bisous dessus, sûrement, je sais pas. Mais ouais, ça attaque personne, ça. Et ça, pareil, on en parle ou pas? Ah, il y a le truc arachnophobie qui est activé. Merde. Je crois qu'elle était morte. Run, que... Et l'autre truc arachnophobie avec des rollers. N'importe quoi. Petit historique Harry Potter avec l'épouvantard de Ron. Ouais. C'est le clin d'œil. Merde, je suis à fond en magie ancienne. Oh, fais chier. Bon, il y a un coffre ici. Confringo. J'ai failli faire cramer Edwige. Par contre, à mon avis, il faut aller au Mora, que j'ai pas. Voilà, comme ça, c'est réglé. C'est pas la peine. Il y a un parchemin
Et en dessous le pont peut-être. L'endroit semble être assez agréable. Ouais, assez agréable, t'as des crapauds, des araignées, mais c'est normal. Saut dessus, je crois. Il me pique ma lecture, le mec. Eh, c'est mon journal du lendemain, dégage. Mais casse-toi. Oh, tu me fais chier. Tiens. Voilà, merci. Réveillon. Ce ne sont pas les créatures qui mentent. Je me suis cassé la gueule en même temps. Un câlin au chat. Oui, ils sont contents d'avoir des pourritures autour d'eux qui peuvent les tuer à tout moment, mais c'est normal. Après, c'est des altruistes. C'est comme dans Divergente, en fait. Et ils veulent le bien de tout le monde. Rébellion. On a quoi là? Ok. Ah, j'avais pas vu ça. D'accord. Merlin. Pimpin. Ouais, la maison est un peu tordue. Ouais. Comme le proprio, je pense. Y'a des dindons. Le mec il vise trop bien. Ça se voit que je joue à Call of moi. Ouais, je pense qu'il avait bu un coup avant. Ouais. Et c'était pas du coca. Pas tout seul en tout cas. Oh putain. Oh bah tiens, je vais lui faire ça. Il sera content. Ouais, je suis un tel pro. On sent le mec qui a platiné le jeu quand même. Hein. Il arrive à sauter de bloc en bloc. Voilà. Tu pourras me remercier, fiston, dans 15-20 ans, quand tu verras ces replays. On sent le pro, on sent le pro. On sent l'expérience. On va pas se rappeler de toutes les fois où j'en chiais pour sauter d'un bloc à un autre parce que c'était des blocs trop près et qu'il fallait pas sauter. En fait, il fallait juste faire ça, sans sauter. Et bon, on n'y pense pas à ça. Mais qui se souvient de ça, d'ailleurs? Mais tout le monde s'en fout. On s'en fout. Ah, je suis tellement énervé de repenser à ça que je vais leur péter la gueule. Je suis pas là. Bon bah il m'a vu apparemment. Petrificus. Ah merde, je l'ai pas. Allô, Mora. Merde, ça marche pas non plus ça. Avada Kedavra. Ça marche pas. Putain, je peux rien faire en fait. C'est un carnage. John Wick. John Wick. John Wick. Où est passée ma baguette? Dans ton cul. J'ai dit que je pétais tout. Réveillon. Ah, il va être content le fiston. Merde, sont presque pleins. Bon, faut qu'on aille vendre des trucs. Bon, bon, on va aller vendre des trucs. Des vegans en sueur. On va d'abord lui trouver sa poutre de cheminette. Là, là, et là, et là, et là. Et comme ça, au moins, c'est fait. Et maintenant, on vend. Merci pour les likes. C'est par là. Je fais que passer. Ah ! Hop là. Merci. Oh, les... oh, un papillon. J'en ai tellement chié pour trouver les derniers qui me manquaient. Alors, est-ce que je lui laisse tous les papillons à trouver ou est-ce que je l'avance? Il aura qu'à regarder mes replays, tiens. Ou peut-être pas, vu les conneries que je dis. Ça lui fera toujours un coffre de papillon en moins. Hein. PlayStation, ils ont mis une mise à jour. On peut mettre maintenant la Play en PS1. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par en PS1? Moi, j'ai pas pu le voir, j'ai pas de PS5. J'ai une PS4 Pro, mais ça m'étonnerait qu'ils aient mis le même genre de mise à jour. Il me fait chier, là. Pourquoi je me... J'ai juste à voler, enfin, c'est n'importe quoi. Mais quand il veut. Hein. Merci. Papillon de lumière. C'est par là. Voilà. Ah oui, bah comme la PS5 Pro qui a l'apparence de la PlayStation 1 aussi, qui est vendue en série limitée, là. À sûrement 900 000 euros.
Ah, je savais pas. Genre, l'interface, du coup, devient la PS1. Ça peut être marrant. Pourquoi pas, style vintage. Ça me donne envie de regarder Stranger Things, là. Rien que d'entendre ça. Mais c'est temporaire, je vois pas l'intérêt. Alors, si c'est temporaire, je vois pas l'intérêt, par contre. Moi, là, pour le coup, je vois pas du tout l'intérêt si c'est temporaire. Genre, t'as kiffé le nouveau HUD et tout, bah, t'as pas le droit de le garder. Non, non, c'est temporaire. Ou alors, vous payez 39 euros par mois pour garder le thème. Ils font quoi, un apéro ? Oh putain, je me suis fait avoir avec le chat. Non, le chat ! Non ! Ouais, bye. Il me refait le coup du chat, putain. Sur un post, je l'ai écrit, les gens ont l'air d'accord avec moi. Non mais c'est aberrant. Poudre de cheminette. De temps à les caresser. Salut. On dit que tu es différent. En fait, quand je prends des dégâts, je prends pas de dégâts. Merde. 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 J'ai pas d'objet à lui balancer. J'ai pas de sort de la bonne couleur. Ah si. On n'a rien ici. Mais ils vont le faire devant des trucs comme ça. Alors là, c'est sûr et certain même. Est-ce possible ? C'est même plus une question, Chipmunk. C'est évident. Confringo. Voilà, faut cramer tout. On va tout cramer de toute façon. Y'a que ça à faire. On crame tout. Les autres sont où ? Il y a un pas beau pas loin là. Vous me faites chier là, je suis occupé moi. Non, il y a personne, trop de balles. D'accord, s'en fout. J'ai plus de move douce. Bah, désolé fiston, je pourrais pas t'aider là. Il y aura toujours des pigeons. Nous sommes le pigeon d'un autre, hein, tu sais. Demain, on me sort GTA 6 et j'ai le PC pour le faire tourner, je le prends même à 300 euros. Je suis un pigeon. Felipero. Il est vraiment nul, ce jeu. J'avoue, il a niqué le game, Felipero, en arrivant en disant « Il est vraiment nul, ce jeu. » Là, j'avoue, t'as tout défoncé, Felipero. Là, toi au moins, t'as le moyen de prendre les gens à contre-pied. T'arrives, il est vraiment nul ce jeu. En plus, il n'y a même pas de voiture. Et je peux même pas aller au casino. Le mood est parti. Ah, j'avoue, je ne m'attendais pas. C'est pour ça que je dis franchement, là c'était... Là, c'est comme en clash, 12 personnes présentes, tu sais. Enfin, je me jette un peu de fleurs, on n'est pas 12. Mais enfin, on s'est compris, quoi. Donc ça, ok. C'est où le prochain ? Nikumuk. Mais plus personne dit Nikumuk depuis la vérité si je monte. Un vrai serpentard type bug, je te dis, moi. Je suis en pause. Il est en pause, bah oui, il bossait tout à l'heure. Mais il était là tout à l'heure, il a pas besoin de redire bonjour. Mais et en fait, c'est juste un serpentard type bug, faut juste assumer. Hein. C'est ta dynastie, ça. C'est Serpentard, quoi. Il t'a défoncé. Là. Ben oui, il avait arrêté si je mens. Nikumuk. Ça veut dire longue vie. D'ailleurs, t'as réussi à écrire Nikumuk sur TikTok, alors que quand on dit bonjour, comment allez-vous, il nous bloque. C'est une blague. La tour de Sanbakar est un endroit étrange. Ouais, c'est ça. Ouais. Un Nikumuk. Ah, c'est n'importe quoi. Ouais, je comprends plus rien, moi, TikTok. Je comprends plus rien à la vie. Je comprends plus rien. Je me suis fait bloquer juste en disant qu'il fallait mettre le feu au inferno. Ouais, bah voilà. Et lui, il arrive à écrire des comouk et ça se fait pas bloquer. C'est n'importe quoi. Faut pas chercher à comprendre. Ça, c'est des questions qu'il faut pas poser. Parce qu'après, si on se les pose, on devient complotiste.
Et ça, ça passe pas, tu vois. Ça faut éviter quand même ce genre de bévue. Tiens, toi. Et toi aussi. Et tiens, le mec intouchable. John Wish. Je ne me laisserai pas faire. Comment allez-vous? Ça a été avant ta pause, Philippe Hérault, du coup? Oh merde. Je veux prendre des sorciers dans le cul. Et foutez-moi la paix, c'est pas vrai, je suis gentil, moi. Tiens, l'enclume. J'adore envoyer des enclumes. Ça fait un bruit. Oh, il s'est pris un mur, le chien. C'est le chien qui crabe. C'est pas moi. Douze interventions de pompiers qui sont venues. 12. J'ai mouru. C'est la faute à Robert Lu. J'aurais juré que c'était un mec. En fait, c'était une femme. Wow. Bordeaux, c'est grand. Ouais, bah t'inquiète. Hein. Je viens de Seine-Saint-Denis. Donc, ville, je connais. Ouais, je comprends. C'est sûr, ça décale beaucoup plus chez les pompiers déjà à ce moment-là. Réveillio. Il est où le coffre? Où est le coffre? Ah, il y en a deux. Okay. Voilà. Un coffre. Et un autre coffre. Mon fils n'aura pas à s'embêter avec ça. 48 heures. Oh là là. Oh la merde. Oh, c'est chaud. De l'extérieur, comme ça, on dit oh, j'ai déjà fait nocturne 48 heures, je dormais pas, j'allais en boîte et tout. Ça n'a rien à voir. Quand t'as le choix, c'est plus facile que quand t'as pas le choix et que c'est pour le boulot. Attends, mais il est où le truc? Ah oui, il est là-bas. Vous voyez pas. Ah, faut que je lui fasse les ballons aussi. Oh non, il aime bien voler en balai. Je vais pas lui faire. Il se débrouille. Ah, il y a les sombrales là-bas. Je vais pas y aller parce que si je tombe sur un sombral shiny, j'aurai les boules de pas pouvoir lui prendre. Ouais, bah oui, oui. Ouais, t'enchaînes bien là, hein, Philippe Hérault. Je ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolar en haut ou à Campolar en bas. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Bah rien. Confringo! Expelliarmus! Où est ma baguette? Rends-la-moi! Rends-la-moi, calme-toi. Et il a aucun halo mora. Oh, c'est le bordel. John Wish. Ouh, celui-là, c'est un coup à ce qu'il les rate. Enfin, ceux-là, du coup. Y'a d'autres là ou pas? Oh, il est là. Et les autres? Réveillon. Regarde l'histoire. Bah, il se met en veille le téléphone au bout d'un moment, c'est pour ça que j'ai pas le truc. J'ai des problèmes avec ça, j'arrive pas à faire. Gardien me lève ça, obtenir utilisation. Une mandragore sur plusieurs ennemis à la fois. Ah, il faut que tu ailles dans des camps. Tu vas aller dans des camps, faut que tu aies des mandragores sur toi. Est-ce qu'il en a lui d'ailleurs? Attends. Ah, il peut pas encore utiliser ces trucs-là, mon fils. Ah bah non, je suis sur le balai, je suis un teubé un peu quand même. Attends, je vais te montrer. Normalement, il en a, je crois. Il en a, mais il en a pas. C'est le problème. Et il en a, mais il en a pas. Là, c'est Schumacher de Chine, il a pas encore débloqué les mandragores. Elles sont là. Faut que tu débloques les mandragores, une fois que tu les as, faut aller dans des camps ennemis, tu balances les mandragores là où il y a beaucoup d'ennemis en même temps. Et comme ça, bah, ça te fera la récompense. Il a une fin ce jeu? Oui, il en a une. Mais tu peux ne jamais l'atteindre, si tu farmes et que tu ramasses des shiny en animaux, etc. Mais c'est un jeu où t'as une durée de vie presque infinie en fait.
Parce que tu peux accoupler les bébés animaux. T'as un crève. Je ne m'arrêterai pas. Avec le nombre d'heures de suite, tu mérites ton billet pour le parc Harry Potter. Je pense pas qu'il fasse le lien entre le parc que tu as chez toi et ce que j'ai fait sur le jeu. C'est un peu le problème. Ils s'en foutent littéralement, mais je te dirais même. Non, dégage. Hop. Oui, venge ta mort, mais vas-y. Regarde, là. Ah merde, je peux pas les contrer ça. Ah si, je peux attraper son sa catapulte. Enfin, son arbalète. Viens, Daryl Dixon. J'ai pas vu le symbole. Vas-y, recommence. Et recommence. Voilà. Regarde, dodo. Allez, vas-y. Attention. Hop. Allez, dodo. Ils sont nuls. Harry Nickbook. C'est bien une réplique de Serpentard, ça, tiens. C'est Harry le héros. Harry Nickbook. Ça, c'est bien Serpentard qui sortirait ça. Eh, je suis en train de lui faire tous ces camps chiants, là. Il va être content, tu vas voir. Ou alors, il va dire... Ah, mais t'aurais pu faire plus, papa. Eh, papa. T'aurais pu faire plus. Humour de Serpentard. Je suis encerclé. Ah, avec la musique, laisse tomber, quoi. En mode histoire, c'est quand même trop facile. Regarde. Je peux même faire du roller avec elle. La pauvre. Tiens, t'enlève tes rollers. Hop là, c'est fini. Y'a plus rien. Niveau 30, mais j'en ai tellement chié pour monter au niveau 40, moi. C'était trop long en fait. C'était pas dur, mais c'était long. Oh là là, j'ai cru que j'y arriverais jamais d'ailleurs. J'ai stagné au 38-39 pendant je sais pas combien de temps. T'as regardé Berserk. Mais toujours pas, comment tu veux que j'aie le temps de regarder Berserk en deux jours? C'est pas possible. On en a parlé il y a deux jours, je crois. Deux ou trois jours. Impossible que j'ai le temps de regarder ça. D'ailleurs, tu me l'as envoyé le lien, Chipmunk? Pour le regarder en français? Je suis pas sûr, hein. Le doute m'habite là pour le coup. Oh! Et merde. C'est plein. Ouais, est-ce que j'ai des trucs mieux du coup pour lui? Ça. Oui, ça c'est mieux ça. Ça. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Ça c'est réglé. Ça. C'est nul. Ok. Ça. Ok. C'est bien. C'est mieux. Oh la dégaine. On va rien changer de l'aspect visuel, on va mettre que ce qui est le meilleur. Je te l'envoie sur Discord, je te l'avais envoyé sur TikTok. Ah bah ouais, envoie-le sur Discord, ça sera plus simple. Surtout pour des liens, parce que les liens sur TikTok, c'est la merde. J'ai rien contre TikTok, attention, hein, me strikez pas TikTok. 39, 14, 14, 32, 08, 07, et le numéro complémentaire. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Ça. Non, 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 oui, non, oui, non. Voilà. Ah, la dégaine quand tu mets que les meilleurs équipements. Je vais me doucher au lit. Je vais pas tarder aussi MTE. Hein, parce que là, ça fait quoi? Ça fait 1h19, c'est pas long. Hein, mais j'ai fait 3h juste avant, donc... Hey. 18, 24, 14... Mais je serai sur le Discord, de toute façon. Pour aider, continuer à aider. C'est juste pour pas faire trop de bruit. Quoi. Ça, 18, 12... 14, 24. Allez. Faut que je vire certains trucs qui sont inutiles et qui valent pas beaucoup. 90, non, non. Non, ça faut surtout pas. Non. Vendre des trucs qui valent 60. Ça c'est bien. Ouais. Détruire. On peut ramasser le coffre du coup. Et bonne soirée à toi en tout cas. Hein. Merci. Regarde mon Discord. Attends. Est-ce que tu m'as écrit ça? Ah non, il y a un nouveau truc. Oh, on est à côté de la cascade. Ça me fait penser à Red Dead Redemption 2 dans le village où il y a la prison où on fait évader l'autre trou du cul.
totalement. C'est quoi ça? Essentiel. C'est quoi ce que tu m'as envoyé? J'arrive pas à distinguer. C'est quoi exactement ce que tu m'as envoyé, Lolo? Parce que les images, elles sont toutes petites sur le côté et grandes et j'ai pas réussi à trouver comment t'envoyer en PV. Tu cliques sur mon pseudo et t'as envoyé un message normalement, Chipmunk. Revelio. Il est où? Ça doit être au-dessus. C'est au-dessus. Revelio. Ouais. Je m'en souviens même pas de celui-là. J'ai ramassé tellement de trucs dans ce jeu. À la fin, tu te rappelles même plus de ce que t'as fait. Par contre, l'accès, il se fait où, là? Merde, je crame. Revelio. Oh, genre, zone interdite, il abuse. Yes, ok. Dès que je peux, je regarde. Promis, type. Juste que j'ai le temps. Confringo. Du coup, je me mets. J'ai cru que c'était un coffre avec un œil. Peut-être suivi. Il va me dire que j'ai pas de place. Bonne soirée, Alexina. Gros bisous. Bisous, bébé. Bisous à monsieur. À tout le monde, bisous. Quoi. Et bisous à tout le monde. Ça en vire. On ramasse ça et on se casse. Merci pour les cœurs, Alexina. Quand il veut, il ramasse le coffre. C'est bon. Bon, allez. Objet identifié. On se téléporte. Je suis là. Ouais, je sais que t'es là, Lolo. J'ai regardé. Et je t'ai dit, je comprends pas justement au niveau des screens que t'as envoyé. 25 minutes, un épisode, ça va. Oui, non, mais je sais. Sauf qu'avec 5 gosses, 25 minutes, c'est la théorie de la relativité. Ça peut te paraître 3 heures parce que comme par hasard, la sieste sera finie, ou l'école, ça sera fini, ou les devoirs seront prêts, ou machin, ou truc, ou bidule. Ou voilà, quoi. Enfin, tout ce qui est, hein. On s'est compris. J'ai re-envoyé. Ah oui, mais... Ah, ok, là, c'est mieux, déjà. Ça faisait 3 images. Et c'est quoi que tu veux faire, en fait? C'est quoi, l'histoire? Essentiel. Parce qu'il n'y a pas de texte qui explique. Regarde ce que j'ai. J'ai des problèmes avec ça, j'arrive pas. Alors ça n'a rien à voir avec les choux... Les merde, Mandragore, c'est ça? Ça n'a rien à voir avec les Mandragore, ça. Mandragore, c'est pas dans les sorts. C'est... je vais regarder avec le profil de mon fils. On va voir. Je cherche juste le truc pour qu'il ait sa cheminette ici. Qui tourne rien que d'énumérer tout ça. Attends, je suis où là? Je suis allé un peu loin là. C'est pas le bon plan là, ce que je viens de faire. Ah, tu montes, mais du coup, toi tu veux les Mandragores, c'est ça? Pour pouvoir faire la mission, parce qu'il te manquait un truc de Mandragore apparemment. Je suis perdu après Olar, quoi, la honte. C'est n'importe quoi. C'est le multiverse d'être parent. Non mais grave. Pourquoi je suis perdu? C'est que ces conneries là. C'est quoi ce pré-Olar là? Ah oui, mais je l'ai pas reconnu en fait. Bon, il a une cheminette ici qu'il a jamais pris. On va lui faire. Action. Oh le salaud. Viens ici. Rébellion. Ah mon fiston, t'as pas pris ça alors que c'est le premier qu'on trouve. T'abuses là. Tiens. Vos emplacements sont pleins. Le pré-Olar de nuit. Ouais, c'est beau. Bonjour. Entrez, faites un tour. Et si vous avez mangé des chocogrenouilles, ne touchez à rien. Ah, il n'y a pas encore la mission des 2010. On va vendre tout ça. Ça, c'est nul. Au risque de répéter, non, te répète pas, non. Faire affaire avec vous. Ouais, bah pas, c'est pas partagé, là. Non. Tu m'arnaques à chaque fois que je te vends un truc, toi. J'ai hâte d'avoir ma boutique. Et en plus, j'aime pas ta coupe de cheveux. Et en plus, t'es pas beau. Voilà, ça, on s'en fout. Hop. Et hop.
Il a pas beaucoup de thunes, hein. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. C'est ça, on vient juste le voir pour lui vendre des trucs, quoi, c'est clair. Ok, on peut ramasser ce qui est dehors. Parce que sinon, on n'a pas besoin de lui. Hein. C'est pas là, c'est là. Revelio. Ah, j'avais mis tellement de temps, c'était le dernier qui me manquait, ça. Non. L'œil pour la mode. Ah, je me disais bien aussi. Revelio. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce ding. À ce jeu, je lui mets. Si t'aimes l'univers, je lui mets 8,77. Parce qu'il y a quand même des trucs qu'ils auraient dû mettre et qu'ils ont mis dans les codes mais qu'ils n'ont pas activé. Et si je suis pas fan du jeu, 7. Ouais, c'est quand même élevé hein, pour quelqu'un qui serait pas fan du jeu. Mais non, ce jeu est très très bon. Et j'ai passé tellement d'heures dessus pour le platiner, etc., que ça montre quand même que, voilà. Après, moi, j'adore l'univers, donc... Revelio Simulator. Ça me manquait pas, ça, tu vois. Mais clairement pas, en fait. Attends, il y a un coffre pas loin avec l'œil. Je crois que mon fils l'a pas trouvé. Il est là. Il est où? C'est là, pourtant. C'est que c'est là. Non, on s'en fout, c'est pas là. Ça doit être au-dessus. Revelio Simulator. Hop là. Coucou. Allez, salut. Le pauvre, à chauffer, il fait des bruits trop mignons. 500 pièces, allez, boum. Non, non, ce jeu est un très bon jeu. J'ai juste peur pour le 2, parce que c'est pas pour rien s'il y a une pétition qui est mise pour ça. Qui nous fasse un putain de jeu à la noix où tu vas devoir payer pour avoir des skins et tout, mais ça, mais dégagé quoi. Alors, le même problème, tu vois, c'est genre Harry Potter, il arrive, il a l'héritage de ses parents, il a plein de thunes, les autres ils crèvent la dalle, mais pourtant, dans la finalité, c'est eux qui l'hébergent, qui lui donnent à bouffer, etc. Enfin, je parle des Weasley, hein. C'est juste un scandale. Tiens, tu m'as pas vu? Ah si, tu m'as vu, merde. Allez, il me dit, tu me prends pour un con là, je pense. Regarde, je suis là, regarde. Tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus, allez, il me voit plus. Ah, c'est hors de question de payer pour avoir des skins. Ben, leur jeu, ils se le gardent. Hein. Je serais capable de continuer à jouer à celui-là plutôt. Il fait pas nuit là? J'aurais bien ramassé sa demi-guise. Ah, non, je peux pas encore. Ah, si, je peux, ouais, c'est bon. On va passer. Et après, j'arrête. Point trop, n'en faut. Bon, bah apparemment, la mission des demi-guises n'est pas encore enclenchée, donc je ne peux pas. Donc du coup, toi... Voilà. Tant pis, ce sera pour plus tard les demi-guises. Bonjour. Tu vas tester les autres maisons. J'ai déjà fait 100% de Poufsouffle. Alors là, c'est Serpentard de mon fils. Il y a Gryffondor de mon autre fils. Il y a Serdaigle que j'avais lancé. Enfin, dans tous les cas, il est platiné le jeu, donc... Je sais pas. Je sais pas. Là, ça me dérange pas de continuer Serpentard de mon fils, parce que Serpentard, j'avais vraiment envie de le faire à la base. Et parce que Chipmunk m'a autorisé aussi. C'est le Serpentard de référence. T'as une mission unique à chaque maison, Orlan. Genre Poufsouf, tu peux aller à Azkaban. Gryffondor, c'était. T'as une fête, je crois, de je sais pas quoi. Serpentard, tu vois le Kraken, je crois, dans une grotte, ou je sais pas quoi. Mais ouais, t'as une mission unique dans chaque. 15-31, 15-32, allez go. Ça, je l'ai pas encore identifié, donc c'est pas la peine. On avait rien d'autre? En mieux, il me semble. Fantôme, ouais, c'est ça, voilà. Non. Ouais, ça, c'est mieux. Et ça, c'est level 14, que ça, c'est level 15. Ouais, c'est mieux de garder celui-là.
Ça, c'est de là d'où on vient. Ouais, c'est une quête principale en plus. Ouais. On peut vendre le reste. Bon, enfin, grosse... Azkaban, elle est trop courte pour tout le monde. Hein. Alors que pourtant, tu vois les détraqueurs et tout, mais ils auraient... En fait, dans la version définitive édition et dans le DLC qui vont sortir en 2025, il faut absolument qu'ils mettent Azkaban sur la map. Ça va, 0423? Ça va. Oui. Et toi? Mais là, c'est minuscule. Alors tu vois les détraqueurs, ils ont été modélisés, leur animation aussi. Tout a été fait, mais tu ne les vois jamais à part dans cette mission. C'est débile. C'est se faire chier à modéliser un truc pendant 6 semaines à 10 gars, à se faire chier en équipe de 10 pour un truc qui va durer 10 secondes. Ça, c'est débile. Donc faut qu'ils l'ajoutent sur la map. Tout est déjà fait en fait, la modélisation, les skins, les animations, les machins. Au pire, ils se baladent de façon aléatoire comme le dragon qu'on voit sur la map, tu vois, c'est rien. Mais ils ont pas fait tout ça pour rien, quoi. Et le Patronus. Bah moi, le Patronus, il nous le réserve pour le 2. Je pense. Ouais, je peux me tromper. Mais... Je me trompe souvent, d'ailleurs. Exceptionnel. Attends, mais j'ai... Ah oui, non, c'est ce qu'il vend. Merde, quel con. Donc ça dégage. Qui est Poufsouffle ? Azkaban, c'est avec elle. Ouais, c'est Poufsouffle, Azkaban. Comme dit Washing Stars. Ah, Poufsouffle, moi j'ai kiffé. Ah, tu connais pas Poufsouffle ? Grave, j'ai hâte aussi, je savais pas. Vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Bon, on va sauvegarder sa game et je vais aller retourner chez Poufsouffle voir ce que je peux trouver. Comme ça, tu vas voir à quoi ça ressemble un Poufsouffle tanké comme jamais. Et en plus, tout à l'heure, en plein direct, j'ai quand même réussi à avoir mon Grabcorn Shiny Femelle. Donc là, ça se trouve, ils vont... Ah bah non, vu que j'ai sauvegardé juste avant. Merde, ils n'auront pas encore fait le bébé. C'est pas grave. Leur maison à Serpentard est magnifique. Elle est vraiment très très belle. C'est une des plus jolies maisons. Je kiffe Poufsouffle, parce qu'à la base, c'est modélisé avec des tonneaux de bière, tu vois, donc c'est rigolo. Mais non, Serpentard, c'est très beau. Je suis où, là? Ah, je suis chez moi. J'avais pas reconnu, je me disais, putain, c'est quoi cet endroit? Alors, moi, je suis en mode normal, mon fils est en mode histoire. C'est pour ça que je roule dessus quand je joue sur sa game, quoi. Et là, c'est normal, ouais. Mais bébé shiny! Mais oui. Tiens, câlin. Ouais, pose-toi avec tes enfants. L'autre, elle se couche au sol, quoi. Quand elle veut, hein, je récupère mes ressources. Moi. Après, là, maintenant, étant tellement habitué au jeu, je pourrais très bien le faire en difficile, ça posera aucun problème. Hein. Quand après, t'es habitué aux esquives, etc. Il y a que des shiny, tout shiny. Il y a que ça. Mais bon, là, elle est pas prête d'accoucher, là. La pauvre. On dirait le dinosaure dans Jurassic Park qui est malade, là. Où ils mettent les mains dans son caca. Non, bah après, tu peux changer le mode de difficulté en pleine game, non? J'ai un doute, là. Tu peux, hein? Regrette pas? Regarde. Tu vas là, tu vas pas là. Hein. Surtout pas. Tu vas pas là, tu vas là. Et regarde. Hop là. T'as juste à changer. Tiens, je vais mettre difficile pour le plaisir. On va voir ce que ça donne. Et par contre, je m'enlève le HUD, parce que moi, je veux pas de HUD. Hop. Ah oui, tu peux le changer, hein, c'est pas un souci, ça. La roue des sorts, je la connais aussi, donc je m'en fous. Et ça aussi, 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 et ça aussi. Voilà. On va aller botter des culs. Allez, bisous les bébés. Non mais laissez-moi passer, bordel, c'est pas vrai, ça. Allez, c'est chiant. Ah ouais, le niveau de difficulté, c'est rien. De toute façon, ils ont pas mis de succès pour le niveau de difficulté, donc c'est pas pour rien. Sinon, il y aurait eu un succès dessus. S'ils nous avaient pas donné la possibilité de changer. Non, je pense pas que ça soit hard. On va regarder tout de suite, Arlan. On va aller dans une zone bien chiante, tiens. Oui, j'ai préparé beaucoup de potions. Je sais. Calme-toi. Ah, pour faire la potion Félix Félicis, même si j'en ai plus besoin. Puisque je n'ai plus besoin de ramasser quoi que ce soit. Et du russe, bon. Là, j'ai plus besoin de rien, en fait. J'avais rien à identifier, j'ai pas vérifié depuis longtemps. Ouais, en difficile, ça va aller.
mon avis, il n'y aura pas de problème. Il faut aller dans un endroit bien chiant. Un endroit bien chiant. Déjà, attends, je vais retourner voir s'il y a quand même un Grabcorn Shiny, on sait jamais. Grabcorn Shiny. N'hésite pas à follow, là, non, si c'est pas déjà fait. Et en plus, on a un Discord maintenant, on rigole plus. Là, ça blague pas. Là, quand t'as des difficultés sur le jeu, sur le Discord, tu poses des questions, t'as au moins une dizaine de personnes qui vont te répondre. Donc, t'auras diversion chelou, mais t'en auras sûrement une bonne, dans tout le lot. Relolo, tu t'en es sorti alors? Parce que du coup, j'ai pas compris ce que tu m'as dit tout à l'heure, au niveau des screens. Merci, Orlan. Alors, est-ce qu'on a un shiny, là? Même si maintenant, on n'a plus vraiment besoin. Il y a là, mon Diplodocus. Non, c'est pas un shiny. C'est une femelle, je crois. J'ai un doute. Plus vite. C'est le moment d'aller. N'hésite pas pour le Discord, Orlan, en tout cas. Nous, ça nous fera plaisir. En plus, il va être bien accueilli. Bon, il n'y a pas encore de chips, de boissons et tout ça, mais ça viendra, je pense. Juste qu'on arrive à bien se mettre dedans. Oh, putain, j'ai battu trop vite. Bizarre. Ah, je connais mes roues des sorts par cœur. Un camp ennemi qui est costaud. Vous avez une idée, vous? À part la mine qui sépare justement la zone sud et la zone nord. Vous savez, la mine ici, là. Là, il y a quand même pas mal d'ennemis. De là à dire que c'est chaud. Comment rejoindre Discord? Tu as Discord, Orlan, du coup? Si t'as Discord, tu me l'envoies en MP, parce que mon lien apparemment fonctionne pas sur le profil TikTok. Tu m'envoies en MP sur TikTok ton Discord, je t'envoie l'invite. Comme ça, au moins, t'auras l'invite pour rejoindre le Discord. Dès que le live est fini, je te fais ça. Ah oui, j'apparais direct dans le caca, d'accord. Les pauvres. Pourquoi je peux pas ramasser? Ah, je suis à fond en potion, d'accord. Ah, il y a vraiment 0 ATH, quoi. Salut, les mecs. Voilà. Personne. On change de sort. J'ai envie d'essayer un petit peu des sorts impardonnables. Et toi, tu meurs. Voilà, dodo. Réveillon. Tu me l'as envoyé? Ouais, bah je vais regarder du coup. Tu l'as envoyé avant que je commence le deuxième, la deuxième session ou après? Parce que du coup, j'ai pas vu. Si c'est avant. C'est grand ici. Ah, je suis revenu en arrière en fait. Ah, il y a des ennemis là. Ah, bah parfait. Regardez-moi ça. Tiens, tape tes potes. J'ai failli l'envoyer dans son cul. Hey Bmax. Il fait la gueule. Ça il s'en fout. Ça il s'en fout. Ça il s'en fout. Et ça il s'en fout. Je l'ai laissé me foncer dedans, je m'en fous complètement en fait. Allez, ça on peut pas sur ça. Ah, ça marche pas. Vas-y, rattaque-moi. Il est où? Ah bah excuse-moi, j'ai dû le rater. T'es sûr que je te l'ai pas envoyé? Bah du coup, je me concentre pas sur ce que je fais, moi. Juste après, ouais, t'inquiète, je le fais. Et Orlan, c'est pareil. C'est moi qui ai fait ça. Pas.
Ah, il fait un peu plus mal, hein. Et ça t'indique pas quand tu peux te protéger, en fait. C'est bien en difficile. J'aime bien. Et là, pourtant, je le fais dans le bon timing. Hein. On peut pas contrer ça. Bon, bien sûr, si t'enchaînes de sorts, bah, les mecs sont morts. Ouais, tu peux pas contrer, j'ai l'impression. Bah si, ça dépend les sorts, alors. Quand t'es en mode normal, tu peux contrer tout, sauf les trucs de feu, je crois, ou je sais pas quoi, les rouges, là. Mais là, j'ai l'impression que je peux quasiment rien contrer. Ce qui est beaucoup moins fun, du coup, pour le coup. En normal, c'est plus marrant. Tu te sens quand même un peu plus puissant, toi. Parce que t'es quand même sorcier ou t'as fini le jeu, donc ça fait un peu chier de se faire laminer par des trucs aussi nuls. Tu t'en tireras pas comme ça. C'est pauvre. Gentil à toi de passer. Oh, l'écho au niveau du son, excellent. Il est où? Il fait des voix bizarres là qui rentrent dans ma tête, mais. Ah, oui, d'accord. Allez, tape ton pote. Ça ne fait aucun doute. Qu'est-ce que c'était? L'impression que je ne suis pas réveillé. Il y a quelqu'un? Eh oh! Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Il est débile, l'autre. Quelle cruelle déception! Oh, c'est plutôt gênant. De quel droit oses-tu utiliser ce sang? Je devais manger ta mort. Ce n'était pas un hasard. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Lolo. Bah, tu devais plus être là. Je t'avais dit que justement, dès que tu chopes une mandragore, faut aller dans un campement. Tu vas dans un campement et en fait, t'auras plusieurs ennemis. Bah, comme là, en fait, ce genre de campement comme ça. Et tu lances la mandragore en plein milieu du tas d'ennemis et t'auras eu ce qu'il te demande en fait. C'est, je te l'ai dit tout à l'heure ça. Quand j'étais encore sur la session de mon fils. L'autre. Lancer répulso sur un ennemi en lévitation. Alors là, tu fais les Levioso, tu le lèves en l'air et là tu fais répulso pour le balancer. Je vais te le faire si tu veux. J'ai quel sort moi? Bon. Là c'est bon, j'ai répulso. Et du coup, il me faut les Levioso, que j'utilise quasiment jamais. On va le mettre à la place de Glacius, si tu veux, tiens. Bon, il nous faut un ennemi, par contre. Ennemi. J'ai pas de mini-lab, j'ai rien. T'en es, ça? Non, c'est des animaux, ça. C'est les nifleurs. Non, c'est les chats. Ah oui, c'est vrai qu'ils respawnent là, les chats. Je pourrais pas le faire avec un gros ennemi, parce que ça va, il va se battre, il va pas vouloir se soulever. Il faut un petit ennemi. Un petit ennemi. Ça, c'est un labyrinthe, j'ai déjà tous fait. Tiens, là, bien. On va aller là. Je sais pas pourquoi j'ai mis le point sur la map, j'ai pas de map. Je vais te montrer, tu vois. C'est par là, hein. J'espère. Là, il y a des ennemis, je pense. Ou pas. D'accord. C'est pas grave. Mon sens de l'orientation commence à faillir. Ça m'intrigue. Ennemis ? Non. Tu vois, c'est ça. Les Levioso, et boum, tu le balances. Oh ! On se calme. Tout calme. Les vieux sauts. Répulso. Simplement. Tu fais ça une fois et t'auras débloqué le truc. Je crois que c'était que pour une fois. Il me semble. Bon, le fait de ne pas pouvoir contrer les sorts bidons, c'est un peu chiant. Et je peux pas t'aider, je suis dyspraxique. Donc moi, l'orientation, ça fait 2. Ah oui, merde. Moi, c'est les couleurs, donc tu vois, chacun son handicap. Hein. Donc, du coup, t'as vu alors comment ça se fait, Lolo? Oh, mais quel talent, mais quelle puissance! Les caisses peuvent rien faire contre moi au niveau difficile. Vous voyez, je vous dis, le niveau difficile, on s'en fout. Si on avait et... Ce qu'a fait là Edwige.
de trouver des chiens. Ah oui, les chiens, ouais, c'est facile avec les chiens. C'est parti. Les pauvres chiens, j'aime pas quand ils meurent par contre. J'aime pas le son. Là, il y a des araignées ici, non? Je te ferai payer ce que tu as fait à... Nyeh. Je te ferai payer ce que t'as fait à... Nyeh. Merde! Ah, tu vois. Ah, je suis dit, c'est chaud. Tu fais autant de bruit qu'un troll. Ouais, d'accord. C'est toi, Roy Lance. Je vais finir le. Je vais t'aider, t'inquiète, on est potes maintenant. Protego. Avec les ennemis trop lourds, ça fonctionnera pas. Il a électrocuté son pote, comme d'hab. Pareil, leur sort arrive beaucoup plus vite aussi. Tu vas mourir pour ça. Unité, propulsion. Quelle ambiance électrique. Afin d'accélérer. C'est toi qui as interféré. Voilà, ça c'est fait. Bon voilà, en difficile ça passe bien. Même sans HUD, donc c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais... Donc pour recommencer le jeu, quand t'as défoncé le jeu, ça va. Quand tu commences, ça peut être un peu tendu. Surtout si tu peux pas contrer des sorts de bidons. Bon, du coup, j'arrive sur Discord. Je fais les invites, comme j'ai dit, pour le Discord, via les MP TikTok. Et puis voilà. Je dis bonne nuit à ceux qui vont faire dodo. Et Lolo, bah, je continue à t'aider via le Discord, sans problème. Merci en tout cas. Merci Orlan, du coup, de rejoindre le Discord. Tu m'as bien envoyé le truc, je te fais ça direct aussi. Wishing Stars, c'est bon. Dès que j'ai, je le fais. Pareil. Il est tard, je pense, là. Bah, pas spécialement, en fait, mais ouais. C'est fatigué. En tout cas, merci à vous. Et bah, à demain, normalement. Je sais pas si ça sera demain matin, comme on faisait avant, ou demain soir, peut-être. Tu vas aller faire dodo, Lolo? Mais en tout cas, t'hésites pas, tu envoies, je te dis, t'auras toujours quelqu'un qui te répondra de toute façon sur le Discord. Mais ouais, n'hésitez pas avec vos MP, en tout cas, pour que je puisse vous faire les invitations. On va faire la sauvegarde, quand même. Même si on n'a rien ramassé de spécial, c'est quand même mieux. On est à 129h, c'est pas mal, hein. Juste pour Pouf Souffle. Voilà. Bisous bisous, dormez bien. À demain, Loup Galactique. 0483, pareil. Ouais, bah ouais, faut pas hésiter pour Discord, c'est tellement plus pratique et ça va être cool qu'on puisse discuter dessus. C'est plus simple que TikTok, clairement. Ciao, merci encore.